Alors ici, nous avons du sureau noir sans bucus ni gras que j'ai montré déjà dans une précédente vidéo. Et nous allons étudier la différence entre sans bucus ni gras qui est utilisable en cuisine, dont le fruit peut être comestible bien cuit et la fleur peut servir à faire des infusions ou alors du vin de sureau, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Alors déjà, le sureau qu'on emploie, vous voyez, ici, fait une branche. Donc il est ligneux, comme on voit ici. Hein, il est ligneux. Par ailleurs, les ombelles de sureau noir sont disposées un peu dans tous les sens. Contrairement au sureau yèble, qui lui ne fait pas de bois, c'est une grande herbe, et dont les fleurs sont toujours dressées vers le haut, les fruits également, les grappes de fruits également dressées vers le haut. Donc c'est vraiment une grande différence entre les deux, le sureau yèble étant amer et toxique.